Olivier Delettre, directeur affaires publiques et association de patients pour Boehringer Ingelheim, qui est une entreprise pharmaceutique dans le domaine du médicament et santé humaine, santé animale, originaire d'Allemagne et implantée à Lyon. Oui, alors l'innovation en santé, la quantification, la qualification et son évaluation, c'est de mon point de vue une approche globale, multidisciplinaire et qui doit se faire dans l'anticipation et dans la prospective. Au final, l'innovation de demain, ça doit être un ensemble de solutions, ce sera la clé. Et mon point développé pendant la conférence a été de dire que cet ensemble, ce sont des innovations thérapeutiques, technologiques, numérique et organisationnel. Alors en termes d'innovation, d'abord Boehringer au niveau global participe à l'effort de recherche globale, l'initiative médicaments innovants, mais également dans des programmes de recherche propres sur par exemple des anticorps, mais également regarder dans notre portefeuille actuel si des molécules peuvent servir dans le cadre de la Covid. Ensuite, c'est aussi accompagner, par exemple, mettre à disposition des masques à des soignants. Également, ça a été soutenir la mise à disposition de repas, mais également ensuite produire du soluté hydroalcoolique et permettre à nos collaborateurs d'apporter leur concours au système de santé.